Le numéro 3, présenté par la SC Couettil Élevage. Bon, alors les Couettil et les AQPS, bien sûr, c'est une longue histoire. De nombreux, très nombreux succès sur ce ring du choix QPS du Lion d'Angers, parmi les foals, parmi les deux ans également, et puis après des succès qui se font sur une course. Par exemple, évidemment, l'exemple le plus présent et le plus spectaculaire, c'est Ghana, qui avait remporté le championnat suprême ici à l'âge de 2 ans et qui s'est imposé non seulement dans le prix Jacques de Vienne 2019, mais dernièrement dans le prix Cran, le plus tard du triomphe des AQPS sur les bords de Paris-Longchamp. On va marcher ? On va marcher, et puis après on la reposera si nécessaire. Ici nous avons une pouliche qui est de la famille de Ghana, famille lointaine, mais en fait ils sont tous de la même famille. En fait, ça descend de deux sœurs. Une sœur qui avait été prise par Jean-Luc et l'autre sœur qui avait été prise par Alain dans les années 80 et qui font des gagnants et encore des gagnants. Ici nous avons une fille de Magnetic Jean née le 27 avril et Cédia, la mère par Enrique. Cédia qui avait gagné une course, mais qui avait aussi terminé deuxième du prix Jacques de Vienne. Le Jacques de Vienne, c'est le dernier psaume, le jockey club des AQPS, hein, c'est bien signé. Deuxième du Jacques de Vienne, alors que c'était une femelle, hein, qui aurait contre les mâles. Elle avait aussi terminé deuxième du prix Tekidine sur les poules de Durtal, un groupe 3. La souche de Caruso, allez, au 3. Soyoung, Pony, et c'est parti au 3 avec cette pouliche de Magnetic Jean, le jeune étalon Magnetic Jean, qui est représenté ici par sa deuxième génération. Magnetic Jim, étalon fils de Galiléo, qui fait la montre à Radley 9. Diagonale. Cheval gris. Diagonale. Cédia, donc une fille de Enrique, le numéro 3. Magnetic Jim et Cédia, présenté par Côté d'Élevage.